Bonjour, bonjour. Je reclique sur la petite application. Nous sommes sur Rocketbirds Hardboiled Chicken et plus exactement sur le deuxième épisode de ce playthrough. On en est au chapitre 6 comme c'est noté sur l'écran. Comme pour Among the Sleep, hein, c'est un petit playthrough que je me fais sur le côté, que je compte terminer relativement vite. Donc je reviens pas sur l'écran titre, hein, que ce soit joli à chaque début d'épisode et ainsi de suite, et si j'enchaîne les épisodes. On part directement dans le menu où je vous ai quitté dans l'épisode précédent. Épisode précédent où on a commencé le jeu, bien sûr, et en dehors de ces actions testostéronées incroyables, et de ces envolées en dogfight, mais avec des poules, donc en birdfight au final, parce que les autres c'est des pingouins, c'est pas forcément des poules, on en a appris un petit peu plus également sur le passé de personnage, toute l'invasion qu'il a subie, l'endoctrinement qu'il a subi aussi. On sait pas encore exactement comment il s'est libéré derrière. Et on est en train de s'échapper du centre de torture dans lequel on a été, et d'emprisonnement bien sûr, dans lequel on a été justement détenu. Après s'être fait bien avoir, hein, ils ont compris que le fait de juste rouler vers l'avant, c'était notre manière de procéder, notre modus operandi, dirait-on. Et ils en ont profité, ils ont simplement mis la cellule au bout du chemin et ça a très bien marché. Est-ce qu'on va se refaire avoir par ce genre de petits pièges de bas étage? Je ne pense pas. Ouais, c'est vrai que j'ai de nouveau des armes. Est-ce que je conserve quand même le... J'ai quand même le... La possibilité de... contrôler les mecs. Intéressant. Juste que maintenant je l'ai tout le temps et il faut juste que je vise comme ça. Ok, ça marche. Alors, je vois pas comment je peux faire pour le contrôler. Ah oui, par contre, je peux pas tourner mon perso une fois qu'il est comme ça. Après, d'un autre côté, est-ce que j'en ai quelque chose à faire de ces deux-là? Je suis pas sûr. Hein. Je suis full life. Je suis full mune. Je vais pas rester full life autant. J'ai mal dirigé mon perso, terrible. Ok, ça va, le cadavre le protège pas. Ok. Ça, je peux récupérer la vie aussi, et on se met bien. Je vais y arriver. Je sais pas comment utiliser mes mains. J'ai trop de muscles. Trop de muscles dans les doigts. Qu'est-ce que je peux passer comme ça? Directement en bas? Il faut une carte apparemment. Ah oui, d'accord, c'est. C'est pour ouvrir la trappe. Pardon. Donc il faut la carte rouge. Ok. Full. Je vais pas être content, je le sens. Je suis pas resté full longtemps. Ah, il suffit de mettre deux ennemis en sandwich là et. Est-ce que je suis sûr que je vais perdre de la vie, hein? Ça va. Ah, les sauvegardes assez souvent en plus, c'est cool. Ah, ils viennent comme ça, c'est cool. Ok,
Ça nous met bien. Je peux récupérer un petit peu de mine en plus. Je pense pas qu'on va repasser par là de toute façon. Rolling, 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 rolling. Rolling, rolling, rolling. Rolling, 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 rolling. La menace. Super. Allez, ras le bal. On dit surveille un égout. Ok. J'aurais pas dû le contrôler maintenant, du coup. Est-ce qu'il y en a un autre qui arrive ou pas? Au final, je devais faire ça d'abord. Maintenant, je suis mal. Mais il y a un truc pour le recharger, non? Redémarrer. Ok. Je commence à avoir des petits puzzles comme ça, c'est pas plus mal quand il y a des checkpoints souvent. Ok, on s'enlève ça. Pas moyen de, d'annuler par contre. Je vois que le lancer est pas bon vu, au vu de ma position. Alors je ne sais pas. Oups. Tu vas t'en sortir. Je suis sûr que tu peux y arriver. Ah, mais je pouvais monter moi-même, je crois que c'était une grille. Je me suis dit, tiens, je vais démonter la grille. D'accord, j'aurais pu le faire moi-même. Il n'y a pas vraiment le côté puzzle obligatoire que je pense. Bon, c'est pas grave, hein. Moi, j'ai pu le faire comme je voulais le faire, à la base. J'aurais avoir vu quelque chose pourtant. Ah, j'ai des yeux de lynx. Des oreilles de puma. C'était le meilleur félin d'entre nous. Bon, il y a des tripes sur le trottoir. Je peux sortir maintenant. Ah, c'est bon. Je l'avais à nos lieux sûrs. Enfin, je vais t'amener plutôt. Dès par là. Tu vous vois maintenant? Je sais qu'on était un petit peu plus proches que ça, toi et moi. On savait pour... De temps en temps, on pouvait se mettre une main sur l'épaule, se toucher le coude. Vu que j'enchaîne les épisodes, j'ai pas testé le son par contre, c'est vrai. J'aurais pu au moins vérifier ça avant de relancer. Donc j'espère que ça va. Aïe aïe aïe. C'est notre époque de... soldat de l'Empire. Ah, et c'est là qu'on a connu l'autre. On était dans la même unité. Oh. Il a retrouvé son innocence. Ah. Ah. Oh, j'ai eu peur. Vu le ton du jeu, je me suis dit, c'est tout à fait possible que qu'il avait buté le gamin. Ah, on pensait l'avoir buté du coup, je pense. Il a réussi à s'en sortir derrière.
Oh, c'est lui qui nous a donné le bandeau qui nous permet de cacher notre étoile. Mais il y a une étoile dessus aussi. Mais c'est pas la même. Je suis plus une étoile. Je suis une constellation. Ah, c'est, en vrai, c'est choupi, surtout pour des petites scènes où il n'y a pas de dialogue et tout. Ça transmet bien l'histoire. Quand même des thématiques qui sont assez lourdes, hein, d'endoctrinement et autres. Je trouve ça assez touchant d'avoir le gars qui finit par retrouver la raison, son libre arbitre, via la vision de quelqu'un d'autre. En plus, il a réussi à sauver ce quelqu'un. Il me fait peur. C'est quoi, Chavez ? Nous sommes pas seuls, monsieur. Je cherche une botte de grenade en haut, Hardboiled. Des grenades ? Allez, sortons de là. Voilà, vous êtes vraiment des bros, hein. Le pingouin arrive. Ok, j'y vais. Ok, peut-être pas. Comment est-ce que je change par contre de... Je sais pas comment je change de... type de projectile. Ah, c'est pendant que je suis en train de viser, ok. Ça marche. Je peux pas monter. Je peux pas descendre. Ok, GG. Il faut que je fasse que du support pour les potes. C'est vrai que je peux pas me tourner. Ah si, je peux me tourner en même temps. Et ça annule, d'accord. Ah mais il y en a à chaque fois dans le step. Ou alors, je prends contrôle, hein. Il faut que j'avance en l'utilisant, le gars. Ce qui est un peu étrange, c'est ça le cas, parce qu'on m'a fait récupérer les grenades juste avant. Ouais, c'est ça. Ok. Des os. Aïe. Ok, j'ai pas l'impression qu'il y a autre chose. Ah oui, c'est moi qui ai fait aïe. 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 Ok, j'ai récupéré toutes les armes que j'avais. De faire tomber avec une grenade. Yes. Ce qui est bien cool comme puzzle, je crois. La choupie. Ok.
suis full life. C'est quoi, c'est un canard? C'est le poster de pin-up là? C'est quoi, c'est Daisy? Ah, c'est fermé ici, ok. Pas toujours, hein. J'ai pas toujours la bonne lecture des éléments. Ça passe? Ça passe pas. Ça passe? Ça passe. Ils ont... Je sais plus si j'ai déjà fait le commentaire, mais c'est un truc que j'ai pensé, que l'animation pour transformer les mecs était longue. Et maintenant elle est courte. Maintenant elle est très bien. Donc je sais pas, peut-être qu'il y avait un problème dans le chapitre précédent, c'est peut-être le chapitre où on a récupéré cette arme là, et c'est pour toute la durée du chapitre que ça a été seté, en mode c'est la même anime que la toute première fois que tu utilises pour... Pour montrer l'objet, hein, pour le petit gag. Je sais pas. En tout cas, je suis content de voir que là, on est sur une utilisation plus rapide. C'est très cool. Là. Ah oui, la porte est ouverte maintenant. Est-ce que je peux descendre? Je peux toujours pas descendre. À quoi ça me sert? Ah, pour utiliser de nouveau le gars là? Non, il a un nouveau... l'ascenseur? Je peux pas remonter? C'est interdit? Ah, il est d'accord. C'est ça, hein. Maintenant il peut monter... Ah oui, il avait... Ici, on a pas de manette pour appeler la navette. Ok, ok. Intéressant. Intéressant, intéressant. Salut les gars. Ça va les gars? Ça, c'est la porte qui m'empêchait de passer avant. Fuck. Donc maintenant, je peux aller sur le toit. Vu que maintenant, je peux aller sur le toit... Ah, je peux pas remonter ici. Fuck. Comment je vais faire pour monter avec le perso, du coup? Fallait que je fasse un truc sur le toit, hein, c'est ça. Donc il va falloir que je réactive l'ascenseur là-haut. Parce que là je peux venir ici, c'est rigolo, mais ça peut beaucoup m'aider. Ah! D'accord. C'est ok. Le réactiver. Est-ce qu'il faut que je refasse tout? Même pas, non? Oh, vas-y, il faut que je refasse tout.
Quel enfer. Ok. Mais en soi, j'ai pas vraiment besoin de beaucoup bouger mon perso, non? Alors, je peux utiliser lui? Je sais plus. Je sais plus s'il faut forcément que j'aille utiliser le mec en bas. De toute façon, je suis obligé d'utiliser lui pour réactiver l'ascenseur pour le mec en bas. Voilà. Lui sert à ça. Donc si je suis quand même obligé de retourner en bas. Je vais y arriver. Y'a plus personne ici? C'est un problème ça. S'il y a plus personne, je peux pas appeler mon ascenseur. Comprenez-vous? Peut-être si je suis en aller-retour comme ça. Bon, allez, poteau. Je vois le bouton de touche. C'est des choses, hein. Alors, je me trompe sur la résolution. Alors, je pense pas que avoir les mecs en bas c'est une bonne solution parce qu'il y a toujours les potes pour les buter en plus. Mais l'interrupteur a pas l'air de fonctionner dans l'autre sens. Ah, ça se fait tout seul. Ok, d'accord. Bon. Enfin, je fais bien attention à être dessus. Ça se faisait tout seul, en vrai il n'y avait pas besoin de se prendre la tête. Ok. Elle est partie. Pourquoi c'est mon jetpack? Deux fois plus de plaisir. Et c'est espace et souris. Je sais qu'il en reste un, mais il est où? Où est-ce qu'il est passé? Ah, il est là. Le mec, sa vie, c'était fuir. C'est pas vers où, mais fuir. J'ai pas besoin de quoi que ce soit, je vais rester à côté du point de spawn. Oh, c'est un drone. Oh, ça fait tellement mal lui ici. Je peux pas le détruire. Hein. En tirant dedans, apparemment. Alors j'ai loupé à chaque fois. Merci pour le soin. C'est bien aimable. Reste encore un drone qui balance des missiles.
J'ai un drone parce que j'ai cru sur le coup, mais je crois que c'est vraiment un pilote également. C'est tellement une machine pour moi. Et du coup, il faut que je rentre à chaque fois dedans pour les péter, ok. Ok, c'est le même niveau en deux fois. Bon, bah maintenant qu'on sait qu'il y a une grosse descente à chaque fois, je peux profiter pour boire un coup. Ok. Je crois que le principe c'était que le pont, je pouvais pas y aller de toute façon. Ah, c'est vrai, il faut que je fasse attention aux touches. Ah, et d'accord, ils sont quand même différents les uns des autres en termes de. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, non, mais il y a des mecs avec des lance-roquettes qui sont directement là. Oh, quelle vie! Ok, mais je passe par où? Ah! Pas du tout. Si. Dommage. Presque. Yes. Ok. Ah. C'est plus rapide. Friendly Fire sur lui-même. Louis. Faut que je lance roquette. Quelle vie. Ok. Ça fait déjà un petit peu moins de gens. On va ouvrir une porte. Vive nous. C'est la sortie, il faut la carte bleue. J'ai pas ouvert ici. Il y a un autre bouton quelque part que j'ai pas vu. Non. Ah, peut-être que c'est la porte de l'autre côté que j'ai ouvert. Tout à fait, tout à fait. Descendre ici. Capitaine, oh mon capitaine. J'ai tout donné pour ce navire. Il est temps pour moi d'en finir. Oh mon capitaine. Ah, marrant, du coup, l'échappée est super rapide, c'est avant tout du temps de préparation sur ce coup-là. Marrant.
Ouf. Oh, je prends cher. J'ai pris tellement cher. Ah, mais si, c'est fini. Le missile peut toucher les alliés, incroyable. Là, mon monde s'est métamorphosé. Quand il est parti super loin, Jean-Jacques, lance missile là. Je sais pas où il est passé. Ah, merci. Le coup de main. Je vais y arriver. Ouf. J'ai quand même pris. J'ai quand même tout simplement pris. Ouais, bah. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ok. Il est vraiment arrivé du dessus. Oh. Une entrée un petit peu différente, ok. Qu'il faut appuyer sur le bouton avant de faire l'ennemi. Toujours plus simple. La carte verte ou la carte bleue. Ok. Carte verte ici. Ok, donc là par contre c'est l'inverse et tout se fait avec l'urgence. Scénarisation, mais ça reste des niveaux quand même différents. Et bonne année! La santé avant tout. Fétillature. Vache! Chose, hein. Oui. Histoire de pingouin. On va en apprendre plus sur sur le régime. Ah oui. La préhistoire des pingouins. Une exposition. Pouvoir contrôler les mecs, c'est quand même très très cool. J'ai pas l'impression que je puisse y arriver sur le gars qui est là-bas. Il y a l'autre qui arrive là par contre. Nice.
Ne nourrissez pas le mammouth empaillé. Et là, il faut monter. Il faut le passe vert ici. Ici, on peut monter. Ce héros. Ok. Cette fameuse... Ah oui, d'accord. Ah, donc en fait, j'avais pas envie de l'activer, ça. Bon, je peux pas le balancer assez haut. Comment faire? Ah, et puis maintenant, je me suis bloqué ici. Je peux pas monter là-dessus. Oh non, ça fait si mal. Ok, rechargeons pour voir. Est-ce que je peux aller là? Ok, donc je peux pas aller là-bas, donc dans tous les cas, en effet que j'avance de ce côté là. Trop chaud. Ah, c'était mieux quand je le faisais avec, avec l'autre gars. J'ai pris bien cher os. Détruire la sono. Non. C'est interdit. Comment faire? Est-ce que là en effet je peux faire tomber le gars quoi? Toujours rigolo, mais... Et mis à part ça... Mis à part ça, qu'est-ce que je peux y faire? Est-ce que la caisse là-bas en bois, je peux pas la péter ou quoi que ce soit? Je peux l'atteindre, plus que peut-être. Ouais, non, ça a l'air d'être très intéressant. Alors c'est depuis là-haut que j'aurais dû envoyer un truc. Non mais c'est capillotracté quand même. Hein. Ah oui! Ok. Maintenant qu'il est tombé, je peux le contrôler. Ok, ok, ok. Super. Très bien. Et maintenant... Ok.
Ah oui, maintenant on peut arriver ici. Je peux pas pousser ça. Non. Je peux me mettre sur la caisse. Ok. Ok, cool. Un mystère de d'élucider. Allez, derrière, elle peut pas faire. Ok. C'est super. Et maintenant, juste à progresser comme ça. Fouf! J'aurais mis du temps à saisir. Et ma foi, c'était cool. Content. Ah, c'est mon cerveau de poule, ça. Ok. Ah. Et du coup, comment je fais? Là, si je fais ça, ça... Ça marche plus. Si je fais ça, ça marche plus. Je peux le... contrôler lui, oui. Ok. Ça fout la carte bleue. Qu'est-ce qu'il peut faire, ce petit gars? Qu'est-ce qu'il peut faire, ce petit gars? Bah, pas grand-chose, hein, j'ai l'impression, parce que là, il faut la carte bleue. La boîte, il peut pas l'atteindre. Ça marche pas. Qu'il y a de nouveau un autre mec qui arrive si je vais là. Pas du tout. Donc ça me permet de faire la même chose, mais de toute façon je peux pas passer si... si je suis pas sur cette forme là. Là ici, je peux pas venir, mais il me faut la boîte justement. Et tout le principe, ça va être de choper la boîte. On me l'amenait peut-être. Sauf que... comment je fais ça? Parce que même si je descends la boîte, le mec peut rien faire ici, il peut pas ouvrir la porte. Donc je sais pas trop où ça nous mène. Est-ce que je peux pousser la boîte avec des grenades? Déjà faire ça. Ok. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, peut-être que je peux quand même faire autre chose. Je peux utiliser la boîte pour que le mec aille en hauteur par exemple. Ce qui est fortement intéressant, hein. Je veux dire, je suis en train d'être un pingouin qui prend son envol quelque part. Ok, c'est bien ça. C'est bien ça, comme ça je peux activer ça. Ici, juste à faire demi-tour et désormais je peux passer en bas. Ok. Magnifique. Oh c'est cool, c'est des petits puzzles très sympas. Très très content. C'est mon niveau. Plus dur, c'est compliqué pour moi. Quelle tension. Ah, je vais peut-être pas le tuer. Est-ce que je peux passer nulle part? Si je peux, si je peux. Quand il se rapproche du pilier, je peux peut-être faire quelque chose.
Ok. Ok, on a une carte ici. Le pingouin qui est vu comme l'évolution de la poule, bien sûr. Non, mais si on est en train de les conquérir, c'est avant tout parce qu'on est plus civilisé, bien sûr. Ouais. Ça pour rendre service. Ah, et ça boucle comme ça. Ah, ok, drôle. Drôle. Ça me dit pas comment je fais pour. Pouvoir utiliser mon perso. Okay. Ah oui, non, mais si. Ça va être long par contre, faut que je refasse tout le tour. Ah oui, mais il y a la porte. Il y a la porte de mort. D'abord que je fasse tout le tour avec le pingouin. Est-ce qu'il y a de nouveau un pingouin? Il n'y a pas de nouveau un pingouin, donc ça veut dire que je suis censé avoir la. Censé avoir la clé. Censé avoir tout ce qu'il me faut pour avancer dans la vie. Il y a quoi déjà au-dessus? Ah, pareil, c'est avant le. Je me suis enfermé là, donc je peux pas utiliser ça. Ça ne marche pas. Est-ce que ça se pousse ? Grenade. Non, je pense que c'est vraiment du décor, enfin des obstacles bruts quoi, comme des murs. Ok. Est-ce que je peux activer un bouton avec une grenade? J'en doute fortement, bizarrement, mais. Ouais, ça a pas l'air d'être ça. Bon, à chaque fois, je pensais qu'il y avait un gros bloc. Est-ce que je peux amener ça? Je suis le pire. Ok. J'allais dire, à chaque fois que j'imagine qu'il y a un gros bloqueur, c'est de moi que vient le problème. Donc, ça a rien de recharger la partie. Et c'était vrai. Non plus, mais plus beaucoup de vie. Oh! J'ai plus beaucoup de munitions. Hein. J'ai de la vie, mais plus beaucoup de munitions. Hein. Pour moi, il suffit de se plaindre pour que. Faut que ça soit ok. Oh! Je pourrais me plaindre par pure envie de me plaindre. Je pourrais me plaindre. Oh! T'as sûr que. Qu'il y a. Ouf. Des petits souvenirs, des petits goodies. Oh, j'ai été terrible. Okay. J'ai plus beaucoup de vie, hein. No. Je prendrais même une petite statuette. Ah, oh, Marc, c'est quand même. Au secours, pardon, c'est l'habitude. Excusez-moi. On a changé de... Oui, on a changé de chapitre. Pas du tout, c'est toujours chapitre 10, non? Je sais pas.
Ah oui, non, non, chapitre 9, c'était l'histoire des pingouins. Je vais faire le chapitre 10 dans cet épisode-là aussi. Ça me semble bien. Et vu qu'il y en a 15 normalement, ça fera 5 chapitres aussi de l'autre côté. Okay. Ouais mon gars. Ah, les boucliers c'est toujours une histoire hein, dans les jeux. L'heure de la fessée. Mmh. La hard-boiled fessée. Ah. C'est malin. C'est malin. On se dit, ah, c'est bien les grenades. Et puis après, ah, on peut pas utiliser la grenade. Bouclier tout seul, ça va. C'est ok. Grosse question, c'est quand il y aura le... Le bouclier plus d'autres gains. Comment ça va bien matcher. J'ai l'impression que pour les tirs sur les cadavres, en gros, le cadavre, il prend les tirs tant qu'il a pas touché le sol. Quand il a touché le sol, il est considéré comme un cadavre décoratif. Et tant qu'il a pas touché le sol, on peut juggle avec, et du coup ça peut protéger ses copains. J'ai l'impression que cette caisse, ça devient mon meilleur ami. Intéressant qu'elle me serve de couverture en même temps, par contre. Très très cool. Plein de bonnes petites idées. Oui, oui, oui. La bonne caisse. Merci, merci pour ton service. Heureusement, je peux pas buter les potes. Bonne chance, mon vieux. L'information que je porte doit atteindre les autres. La résistance. Vas-y, on va de l'autre côté. De l'autre côté, comment ça? Je dis comme ça, ça fait un peu. Hein. Oui, parce que pour eux aussi, là, pour les mitrailleurs, ça leur fait une couverture, au final. Et que moi je n'ai pas. Intéressant. Intéressant. Tu n'es pas une perruche comme moi. J'aurais cette porte pour toi. Ok. Est-ce que je peux contrôler les perruches? Ah non, d'accord, je suis trop vite. Je protège le petit gars ici en fait. Ok, ok. Ça disait cette information. Par contre, faut que t'avances. Et si je change d'écran, il avance plus. Mission d'escorte. Yo mec, c'est moi. Allez, laisse-moi passer, allez, s'il te plaît. Mon plus un aussi. C'est mon oncle, promis. Ok, ok. Oui. Quoi? Ah, merci. Comment ça, non merci? Pas de merci, tu veux dire? L'émeute des cardinaux commence ce soir. Okay.
dessus, il y a encore autre chose, j'ai pas l'impression. D'accord. Petite ressource. Plaisir, merci beaucoup. Fusil d'assaut, fusil d'assaut. Ah oui, ça évolue. D'accord, c'est considéré comme le niveau 2 du pistolet mitrailleur. Le full life, les potes, tout va bien. Ça passe au travers. Lui, c'est une arme. C'est une arène, ça. Ouais, c'est une arène. Ça fleur bon l'arène. C'est lui. C'est un boss. Ouais. Oh, j'y crois pas. Est-il déjà mort, Brando? Que vois-je? Ah, que vois-tu? Ah oui, non, c'est le derrière. Il est attrapé comme un petit poulet. Vite, envoyez la première vague. Équipe 1, à l'attaque. Impressionnant. Équipe 2, détruisez. Équipe 3, tuez. Ok, les tireurs c'est bon. Ok. Est-il déjà mort? Équipe 4. Écrasé. Oh, ils m'ont mis contre le mur. Ils m'ont matraqué contre le mur. Les gars, comme à la formation. Ah, ça sauvegarde entre les vagues aussi. Oh, mais c'est vraiment un jeu très très gentil en mode normal. Et c'est un compliment, bien sûr. D'une douceur incarnée. Comme le montrent ces images. Il doit sûrement être mort maintenant. Équipe 5, allez. Oups. Je prends beaucoup de vie. Allez, j'ai réagi trop tard. Je vais mettre plutôt de ce côté-là. Ça marche beaucoup mieux. Nous devrions y aller. Je le tuerai d'autres fois. Bien sûr. Bien sûr. Laisse faire tes petits gars là. On va surtout pas te salir les mains. Ok. Thank you.
Regarde le spectacle, j'ai pas le temps, bah ok. J'ai tout pris. J'ai tout pris. C'était peut-être pas une mauvaise idée de quand même faire les les boucliers. Hop, on va équiper les grenades. J'ai pris cher. Allez, quand ils sont de face, ça marche pas toujours la grenade, ok. Ok. On va peut-être prendre la trousse de soin. Peut-être se soigner deux secondes. Et là, ils ont ripop. No. Ce qui me met, toi. Ce qu'ils me mettent. Quand même, hein. On est au chapitre 11, le chemin du métro. Est-ce que j'étais déjà au chapitre 11 avant? J'étais pas au chapitre 11 avant. Magnifique. Alors on va s'arrêter là pour cet épisode du coup. Et on démarrera ce 11e chapitre. Faites bien de s'attirer dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous au mieux. Des bisous.